Bonjour mes enfants, aujourd'hui on va travailler Il était 8, la BD. Donc s'il vous plaît ouvrez avec moi vos livres à la page 56-57, puis écoutez. Activité 1, page 56. Écoute et lis. L'école est finie! Vive les vacances! Pauline fait une grande fête dans son jardin. Elle invite tous ses copains. Ils jouent, ils parlent, ils chantent. Pauline est très contente. C'est une fête fantastique! Et maintenant, dites-moi, mes enfants, Pauline fait une fête parce que c'est son anniversaire? Non, elle fait une fête parce que l'école est finie. Mais Pauline fait la fête dans son jardin? Oui, elle fait la fête dans son jardin. Mais c'est une petite fête? Non, c'est une grande fête. Et tout le monde travaille? Non. Aujourd'hui, c'est la fête. Personne ne travaille. Tout le monde parle, chante, mange, danse. Mais bien sûr, ne travaille pas. Activité 2, page 56. Écoute et observe bien. Réponds oui ou non. 1. Pauline porte une chemise blanche. Non. 2. La maman de Pauline porte une robe jaune. Oui. 3. Fanny chante. Oui. 4. La petite sœur de Pauline et le petit frère de Fanny jouent. Oui. 5. Clément parle avec le papa de Pauline. Oui. 6. Metalix est à côté de Robotine. Oui. 7. Waf est sur la table. Non. 8. Le père de Fanny téléphone. Oui. Et maintenant, exercice numéro 3. Il y a 10 nombres cachés. Trouve-les. Ici, il y a le nombre 45 sur le t-shirt de ce garçon et le nombre 23 sur la bouteille de père de Pauline. Aussi, on a le nombre 39 sur le t-shirt de ce garçon et on a le nombre 10 sur la poche de frère de Pauline. On a aussi le nombre 23 sur la casquette de ce garçon et le nombre 16 sur le t-shirt rouge de cette fille et aussi le nombre 44 sur ses cheveux. On a aussi le nombre 19 sur le sac de Robotine. Exercice numéro 4. Regarde les personnages, trouve le maximum d'actions différentes. Ici, on a un petit garçon pleure parce qu'il tombe. Ici, il y a le père de Fanny téléphone et la mère de Fanny porte un grand chapeau. Ici, il y a un garçon qui mange.
Aussi, on a Clément parle avec le père de Pauline. Ici, Metalix parle. Et ici, Mimi regarde la danse. Numéro 5. Trouvez au moins 5 détails rigoles. Il y a un poisson sur l'arbre. Il y a ici un garçon qui porte un pyjama. C'est bizarre, bien sûr. Il porte un pyjama dans une fête. Il y a un poisson sur l'arbre. Il y a un garçon qui porte un pyjama. Il y a un garçon qui porte une paire de chaussures. Aussi, on a un corbeau violet. Activité 6, page 56. Écoute ces mini-conversations. Qui parle? J'adore les sandwichs au jambon. Et toi? Moi, j'adore les gâteaux au chocolat. Moi, j'adore les deux. C'est Sam 1. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure? Il est tombé. Oh, le pauvre. Où est Waf? Je ne sais pas. Regarde sous la table. Ah oui, il est là. Il dort. C'est pas possible. C'est un ange. Oh, tu es magnifique avec ta robe rouge. Merci, merci. Et toi, tu es génial avec ta chemise jaune. Merci. C'est Sam 8. Il est génial. J'adore quand il tombe. Oui, il est très comique. C'est Sam 4. Allez, allez, tout le monde derrière moi. Les mains sur les hanches. Là, là, là. On lève la jambe. Là, là, là. C'est ça, c'est. Merci mes enfants et à la prochaine fois, Inch'Allah.